J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, le ciel est gris, il pleut et j'avais envie de faire une carte printanière pour faire venir le soleil. Alors, pour faire cette carte, j'ai coupé un morceau pour faire ma base. Donc, il y a les 29,7 sur 13,5. Je vais venir faire des plis sur cette base. Donc, je vais faire un pli à 6,5. Je vais faire un pli à 10,5. Je retourne mon cardstock et je refais la même chose à 6,5 et un pli à 10,5. Ça va être donc notre base de carte. Donc, on va déjà commencer à plier les deux plis du milieu, donc emballés. Non, c'était en montagne, en montagne. Et les deux plis sur le côté, emballés. Notre carte va donc se présenter comme ceci. Je vais déjà coller mon fond. Donc j'ai coupé un morceau de cardstock. J'ai dû me tromper. Donc au milieu on a 8,5, donc il me faut un morceau de 8 sur 13. Là j'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, j'ai fait 7,5, c'est 8. Que je vais venir sur 13, j'ai 10. Il fait 13,5. Donc 8 sur 13. Donc qui va venir sur la partie du milieu? Mais je vais venir, donc j'ai pris un cercle de 6 que je vais venir, donc je vais venir percer les deux en même temps, mais je ne vais pas coller tout de suite parce que je voudrais embosser mon papier. Donc je vais le placer comme il devrait être collé. Je vais placer mon cercle un peu sur le haut
comme ceci. Je vais mettre du washi pour tenir le tout. Alors, je ne trouve plus le bout du washi. Si. Et je vais passer ça dans la Big Shot. Passer mes deux parties. Alors, mon papier qui s'en va, mais ce n'est pas grave puisque ce sera recouvert. J'ai donc passé mes deux parties dans la Big Shot. Je retire délicatement. Alors, je vais un petit peu égaliser parce que j'ai toujours mes problèmes. De coupe où ça me fait des petites peluches, et je vais venir donc embosser avec un classeur d'embossage. Donc j'ai choisi du feuillage, donc je vais placer mon petit morceau dans mon classeur. Et je vais passer ça dans la Big Shot. Alors, il y a Maya qui n'est pas contente. Voilà, je vais pouvoir venir donc coller tout simplement mon morceau embossé donc sur le milieu. Alors, je vais prendre ma colle. Et je viens donc remettre mon cardstock bien en face de mon cercle. Ceci. Je fais adhérer ma colle. Ensuite, j'ai prévu de mettre deux bandes. J'ai coupé deux bandes jaunes de 3 cm et demi. Donc sur 13 que je vais venir également donc embosser. Donc j'en ai fait deux. Donc je vais essayer. J'ai regardé. Non, j'arriverai pas vraiment. Donc ça n'a pas franchement importance. Je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le mettre de l'autre côté. Je regarde si je peux faire. Non, ça. Ça va être un peu compliqué. Donc, ce n'est pas grave. On va. Je voulais essayer de faire rejoindre les feuilles, mais ça va être un peu compliqué.
et je vais aller passer ça donc dans la Big Shot. Hop. Donc j'ai mes deux morceaux que je vais venir donc coller ici. Alors, je vais enlever les petits picots. Je laisse mon massicot. Donc je mets de la colle. Et je viens donc centrer mon petit morceau. Comme ceci. Je mets de la colle sur l'autre. Et je vais faire pareil. Voilà, comme ceci. Après, vous, au niveau du décor, vous faites comme, comme vous l'entendez, hein, bien sûr. J'ai également coupé donc, deux morceaux de bleu, donc qui font 6 par 13. Et je vais faire pareil, je vais venir donc embosser. Alors, j'enlève toujours mes petits peluches du massicot. Non, je reprends mon classeur d'embossage. Alors, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Alors, on va les mettre au milieu. Hop. Je passe dans la Big Shot. Je vais faire pareil avec l'autre morceau. Donc, je place aussi au milieu et je passe dans la Big Shot. Je vais coller donc mes deux morceaux. Et donc ma base de cartes est faite. Pour le milieu, je vais prendre un morceau du cardstock. Alors, qui fait 8 par 13. Je vais le... Alors, je vais gommer. J'avais fait un cercle, mais... Je vais l'enlever. Donc, je vais positionner mon morceau de cardstock il est trop long, j'ai pas dû faire 13. Alors, on va regarder tout de suite. Il doit être à 13,5. C'est ça. Je vais le faire donc à 13. Et donc, je le centre sur le milieu arrière de ma carte. Et je vais venir donc faire un cercle au crayon de papier. C'est pour avoir un point de repère pour faire mon tamponnage. Et donc, j'ai choisi mon tamponnage. Alors, j'ai cette planche-là. Je voulais choisir donc
la marguerite avec le papillon. Alors, la marguerite avec le papillon, il est là. Donc, je prends mon plexi, je mets de l'encre noire. Et donc, je vais venir centrer ma marguerite avec mon papillon dans mon cercle. Comme ceci. Et je vais venir donc coloriser tout simplement. Alors, je vais prendre des aquamarqueurs. Alors, je vais prendre un orangé et un jaune. Alors, je vais regarder un peu les couleurs. Prendre un petit morceau de papier. Alors, c'est plus foncé. Donc mon dessin, je vais reprendre la base, ma base de carte, et je vais tout simplement donc venir recoller convenablement bien en face. Mon motif, donc je vais mettre de la colle tout autour de mon cercle. Alors, je fais déjà le tour de mon papier. Le tour de mon cercle. Et donc, je viens positionner
concentrant et de façon à être sur mon motif. Alors, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave puisque je vais remettre donc un papier blanc comme ceci. L'essentiel, c'est que mon motif soit au bon endroit. Et j'ai fait une découpe donc un cercle que je vais venir donc coller par-dessus. Rapport à mon cercle. Je voulais mettre. Alors, j'ai perdu, j'avais sorti un washi en tissu. Dans les bleus que je voulais mettre sur le côté. Alors, je vais couper à peu près droit. Alors c'est pareil, hein, je vous montre ce que je fais, mais la déco, c'est vous qui choisissez. Je mets ma première bande. Comme ceci, je vais faire pareil de l'autre côté. Ouf, qui me gêne. Alors, j'essaie de le mettre à peu près à la même distance que de l'autre côté. Comme ceci. Alors, je voulais également tamponner des papillons. Alors, j'ai des papillons dans le même set de tampons. Je vais prendre celui-là.
mettrai peut-être celui-là. J'en mettrai deux. Je vais prendre un morceau de papier. N'ai-je plus de papier? Si. Là. Alors, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais les coloriser. Voilà, j'ai colorisé donc mes deux papillons et maintenant je vais venir les détourer. Le deuxième. Alors, je vais en mettre un là, puis un là, hein, je pense. Voilà, comme ça. Il va me manquer donc un sentiment. Alors, je vais déjà poser mes papillons avec du double face 3D. Donc, je vais mettre un petit carré de double face au milieu. Je vais un petit peu recourber mon papillon, ça va donner un petit peu de relief donc à la carte. Je vais le mettre ici. Je vais faire donc un sentiment pour mettre sur le bas. Je vais prendre. J'aimerais bien faire un matage bleu. Ai-je encore un petit bout de bleu? Oui, ici. Un petit matage bleu. Il me faudrait une étiquette. Que vais-je prendre comme étiquette? Si je prenais dans ce set, si je prenais, est-ce que ça fait pas trop gros? Alors, je vais prendre le plus grand pour faire mon matage.
je vais aller passer ça dans la Big Shot. Hop. Ok. Je vais faire du blanc. Oups là. Du blanc. Pour le plus petit. Alors, je vais couper. J'ai bien envie d'ancrer un petit peu le tout. Avec du bleu. Un bleu. D'encre après mon bah oui j'ai suffisamment d'encre après mon ma petite mousse donc je n'ai même pas besoin de reprendre de l'encre. Alors je vais faire je vais tamponner tout de suite. Donc, un sentiment. J'aurais voulu. Je vais prendre. Je vais regarder ce que je vais mettre. Je vais rester sur mon point de départ. Oui. Allez. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc j'ai pris un sentiment. Fais-toi plaisir. Et non, je lui ai. Alors, comment je vais placer ma fleur? Je vais regarder. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais venir le coller donc en 3D sur mon matage. En 3D. Allez, soyons fous, on va le mettre encore une fois en 3D. Et donc, je vais mettre mon sentiment. Comme ceci. Alors je vais enlever, mettre à la poubelle ce qui va à la poubelle parce que sinon
mon bureau va être complètement envahi. Il me reste plus qu'à mettre donc mon papier ici. Alors j'avais encore. Alors, j'ai les papiers qui se sont collés. J'avais encore du jaune. J'avais encore du jaune ici, un petit bout de jaune. Donc je vais couper un morceau de 8 2 par 13 2 8 2 par 13 2. Donc 8 2. D'un côté il fait 13 1, ça suffira. Et je vais venir donc le coller tout simplement à l'arrière. Comme ceci. Donc je mets de la colle et je viens donc mettre centré. Comme ceci. Je rajouterai bien un petit nœud. J'aime bien les petits nœuds. Si je rajoutais un petit nœud qui rappelle ça, ou en bas, je le mets en bas. Oula. Non, allez. Hop, je vais mettre ici. Ceci et j'ai bien envie de mettre quelques petits diamants. Mon petit cube de colle est là. Quelques petits diamants. Alors, ça va être un petit peu bouché. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je trouve qu'elle est très belle comme ça. Je ne vais pas en mettre plus. Je mettrai un petit peu sous presse pour que ma carte tienne bien.
Et voici le résultat. Je trouve que c'est printanier. C'est dans des couleurs quand même très douces. C'est ce que je voulais. Je me suis levée ce matin avec cette idée dans la tête. Et je trouve que le résultat est relativement bien. Et on peut même donc la mettre debout. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, à liker si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes encore pas. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création. On y partage nos créations. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.